éviter les zones inondables. Il ne faut pas se balader, il ne faut pas avoir l'habitude de se balader dans les zones inondées, les zones supposées à risque pour ne pas avoir des dégâts en fait humains et aussi pour ne pas avoir des dégâts matériaux. D'abord, les zones inondées créent beaucoup de dégâts. Ça détruit les maisons et aussi ça peut emporter aussi des véhicules. Donc, on doit beaucoup éviter les zones inondées. Bon, on doit éviter sûrement les zones inondées parce que dans la période pluvieuse, ça cause beaucoup de dégâts tels que l'emportement, l'effondrement des maisons, les ravages et bien d'autres dégâts. L'inondation est une submersion rapide ou lente d'une zone habituellement hors de l'eau. Éviter les zones inondables est crucial pour plusieurs raisons majeures telles que préserver les vies, éviter certaines maladies, éviter les dégâts matériels. Les zones inondables peuvent être modifiées au fil du temps en raison de facteurs tels que le changement climatique, l'urbanisation et la déforestation. Il est donc crucial de se tenir informé des risques d'inondation dans votre région et de prendre des mesures pour vous protéger.